Yomina Cédridri, et oui, on se retrouve enfin pour le premier épisode de notre aventure sur Monster Hunter World. Alors donc je regarde juste bien les paramètres si tout est bon. Ok. Bon ben tout est bon, on va pouvoir y aller. Commencer. Ah, ça fait vraiment plaisir. Parce que j'avais testé donc une sorte de bêta où il y avait une mission à faire mais sous plusieurs angles, sur plusieurs difficultés, qui était sympathique. Et voilà, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit ah ouais, franchement le jeu a l'air juste d'être énorme. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai franchement trop hâte. C'est ouf. Ouais. Et vous inquiétez pas, il y aura des lives bien sûr dessus, ce qui est normal. Si vous avez le jeu et que je ferai des lives, on pourra se faire des coop. Je sais qu'on peut jouer avec des amis. Donc voilà. Donc avec des abonnés, ça peut être super sympa. Camarades de la 5e flotte, l'heure est venue. Étant un homme de peu de mots, mes adieux seront brefs. Une fois à bord de ce navire, il vous sera impossible de faire machine arrière. La prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du Nouveau Monde. Ceux dont la résolution vacille peuvent encore renoncer. Personne ne les jugera. Très bien. Le voyage peut donc commencer. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Entendu? On est presque arrivé. Allons conquérir le Nouveau Monde. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission. Alors, un peu d'appréhension? Oh, t'inquiète pas, moi aussi. Il peut nous arriver n'importe quoi, mais bon, c'est tout l'intérêt de... Salut! Hey, tu serais pas de la classe A par hasard? Quoi? Sérieux? Nous aussi? Hey, comment tu t'appelles? Ok, et là je pense que ça va être là, le côté customisation. Et c'est ça. C'est ça. Alors il y avait juste une petite partie du custom par rapport à au perso qu'on devait faire. On peut changer le fond. Bon, on va le laisser pour l'instant comme ça, hein. De toute façon on s'en fout. Ah, déjà la custom est bien plus nombreux que... Enfin, il y a plus de custom de ce côté-là. Hein. D'accord. Ah, j'aime bien ces petites coupes de cheveux-là, ça fait mignon. Ça y va très bien. Ouais, j'aime bien. Ok. Ouais. Pardon. Un petit truc dans la gorge. Donc en coupe, ouais, cette coupe là elle est belle. Alors je cherchais comment on a été accepté. Ok, visage. Ben le visage et tout. Bon, on va laisser je pense le premier qui donne très bien. La couleur, ça c'est la couleur de peau, donc ça on s'en fout. Coiffure. Donc ok. Celle-là est jolie, j'avoue. Celle-là est sympa. Ouais.
Ah, celle-là a une certaine classe, celle-là aussi. Ah, j'hésite entre celle que je joue de base. Enfin, celle que je vais jouer de base. Celle-là qui m'intéresse. Ou celle-là. Ah, j'hésite trop. Ah, on va partir sur celle-là, qui est ma préférée. En couleur de cheveux, on peut mettre jusqu'à noir, je parie. Mais on va laisser en blonde. Elle est trop mignonne. Comme ça, l'expression des yeux. On va laisser comme ça, les yeux. On va laisser de base. On va pas y toucher. Le nez. Bah celui-là est très bien. En bouche. Des fois elle est un peu bizarre avec la bouche, elle fait un peu trop gros. Celle-là elle est bien. Normal, elle est bien. La pilosité, on s'en fout. Le maquillage 1, ça va ici. Ok. Les expressions du visage. Comment on les joue? Ah ok, c'est cette touche là. Ça fait un peu bizarre sur la fille, les expressions du visage. Elle a l'air un peu... On va mettre au pire celle-là, si on doit choisir. La tenue. Comme ça, ça fait sexy, j'aime bien. On va mettre en noir. Là. Donc ensuite... Ensuite... Ah, celle-là est bien. Ah, là. On va prendre celle-là, ça fait féminin. Équipement, le cuir. Ouais, on va le mettre comme ça. Ça y va trop bien comme ça. Terminé. Ouais, j'aime bien. Là, elle est prête pour l'aventure. Allez. Entrez votre nom. Dragon. Logiquement, je sais pas si on doit le faire maintenant, mais on a un palico, je crois, un chat. Comment ça s'appelle, un palico? Ouais, palico. Notre petit marron. Salut, toi. Oh putain, là, il y a un rebelle, celui-là. Oh putain, oh, c'est le... ça, c'est le chat de Satan, ça. Ça, c'est le chat de Satan. Le chat de Satan. Et pas le chat de... le chat de Satan. Oh, il est mignon, celui-là. Mais j'hésite avec le... celui-là qui est sympa, avec ses petites rayures. Mais celui-là est tout mignon. Ouais, ok. Donc on va aller en mettre quand même, hein, la largeur. Là, on voit qu'il a des poils. Hein. Oh purée, ouais. Là, on voit qu'il n'y en a pas. On va plutôt, voilà, lui mettre là. Si on doit choisir, ce serait peut-être en noir, qui serait pas mal. Non, en blanc ça donne bien en fait. En... quoique, attends. Comme ça j'aime bien. J'aime bien. Ok, là c'est pour changer ici. Donc là, non, ça m'intéresse pas, on laisse comme c'est. C'est pour changer. Donc soit on laisse en... ouais, on laisse comme ça. Ok. C'est
C'est la petite patoune qui est sur sa patate. Peut-être mettre en rouge, ça peut être pas mal. Et ensuite, ça, c'est les traits sur ses... Ah, ok, les traits qu'il a. Est-ce qu'on met en blanc? Blanc ou rouge? Ah, j'aime bien en blanc. Ça donne bien. Les yeux. Ah, on peut changer même l'expression des yeux. On aurait pu mettre un chat de Satan avec des expressions mignons. Ah, on peut mettre un œil droit. Changer l'œil droit et l'œil gauche. On va le mettre aux yeux bleus. Ouais. Est-ce qu'on fait un œil bleu, un œil rouge ou aux deux yeux bleus? Les deux yeux bleus, ça le rend très beau. Les oreilles. Ah, mettez les oreilles normales, je pense, les premières, parce que ça fait classique. La queue. Non, on va mettre la grosse queue comme ça, j'aime bien. Je préfère que la queue classique. Donc, la couleur des habits. Tu seras un chat de couleur noire. Avec des habits noirs. Ça donne bien. Ensuite. Le miaulement. Ah, le maou, c'est bon, il m'a fait kiffer le maou. J'aime bien le petit miaou que je me suis fait, le petit miaou. En équipement, bah, on va le laisser comme ça. Hein. Terminé. Entrez le nom de votre palico. Alors, je sais que dans la bêta, je l'avais appelé Shukan. Alors, j'hésite à le remettre ou un autre nom. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Moi, j'ai dit Shukan. Ah non, on va l'appeler Miaou. Miaou. Allez, c'est mon ami. Il s'appelle Miaou. Ouais, allez, go. C'est rigolo. Voilà, on est prêt. Voilà, on a fait notre perso. Tranquille, et on est prêt pour l'aventure. J'ai trop hâte, sérieux. De voir nos quêtes et tout. Et de commencer et entrer dans le fight. Bon, si on portait un toast. À la classe A, on est les meilleurs. Santé. Bon alors, à ton avis, pour quelle raison les dragons anciens se dirigent-ils vers le Nouveau Monde? Ça fait plus de 40 ans que la guilde a mis en place la commission de recherche et elle n'a toujours pas la réponse. Avec la 5e flotte, la guilde compte bien résoudre ce mystère. Rien ne nous arrêtera. Calme-toi. Au fait, il paraît que les classes A ont pour habitude de travailler en binôme. Tu as déjà rencontré ton partenaire ? T'as remarqué ? Ça commence à s'agiter. Le bruit des vagues a changé. On approche peut-être de la terre ferme. T'es de la classe A, pas vrai ? Salut, toi. Je suis désolée. J'ai peut-être un peu écouté votre conversation. Enfin, ravie de te rencontrer. Moi aussi, je suis de la classe A. Thank you.
Ah, enfin, donc on rentre dans l'action. Il y a une énorme... Une énorme montagne de lave qui vient de surgir de l'eau. Ok, allez. Je sais pas ce que ça peut être, à moins que c'est un monstre. Ah ouais. Bah il est coincé, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein. Il est coincé. Et là, il va nous tomber dessus, tu vois. C'est trop dangereux ici. Suis-moi. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. Allez, let's go. On grimpe, on grimpe, on grimpe. On va faire gaffe que rien nous tombe dessus. Ah bah voilà. Oh, ça va. T'inquiète, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Voilà. Allez, on monte. Ah, oh là, là, là il y a des monstres par contre. Ok, je te suis. Ouais, là, c'est pas une montagne, hein. Ça, à mon avis, je pense qu'on est bel et bien sur un monstre volcanique. Un golem ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est... Après, voilà, c'est... Là, on a l'histoire, on a tout ce qui se passe aux alentours, comment ça se déclenche, comment on va aller bah, sur l'île, là, comme ils appellent ça, le Nouveau Monde. Et donc, voilà. Et donc, ouais, c'était bien un monstre, on dirait une sorte de petit dragon, de dinosaure de lave. Ah, on prend leur contrôle. Ah, il y a déjà une tente ici. Ok. J'ai trouvé ça dans la tente. Il y a une carte à l'intérieur. Oh, nice. Là, je m'en souviens, il fallait appuyer sur le pad du milieu, voilà, c'est ça. Pour afficher la map. On doit se trouver par ici. Ok. La base de la commission de recherche est là. C'est là que notre navire aurait dû amarrer. Pour l'instant, oh, okay. Je pense qu'on devrait essayer de rejoindre le QG. Cette carte devrait pas nous soucis. Aider à retrouver notre chemin. Allez, on y go. Eh, c'est super beau. Eh, je suis en train de regarder en même temps les décors, ils sont magnifiques. Le jeu, il est hyper joli.
Regarde, le QG de la commission de recherche. C'est là qu'on donc va. Là, on est dans la forêt ancienne. Alors, je regarde les touches qu'il faut appuyer. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça, ok. Donc, moi, on peut agresser aucun adversaire, aucun monstre, dinosaure ou quoi que ce soit. Si j'en crois la carte, le chemin menant au QG se trouve... On n'a rien pour les agresser. Ah, j'ai vu un truc qui est apparu. La fleur. Voilà. Et donc... Ces Aptonos semblent aussi utiles que ceux du vieux monde. On peut pas pour l'instant les affronter. Et nous, on va devoir passer par... Logiquement, en face. J'ai l'impression qu'il va falloir faire le tour. Ah ouais, un petit peu vers la gauche. Ok. Pas le choix. Ouais, c'est ici. J'ai demandé au Navicial de mémoriser mon odeur tout à l'heure. Si jamais tu me perds de vue, suis les Navicioles et elles te guideront jusqu'à moi. Ok. Y'a pas de soucis. Caché maintenant. Accroupis-toi dans les buissons pour rester hors de vue. Mais j'étais caché. Vite, cache-toi. Mais j'étais caché. Il m'a trouvé alors que j'étais caché. C'est bon, il s'est barré. Eh, on était caché, non? C'est bon. C'est bon. Ah, mais c'est bon. La voie est libre. Profitons-en pour filer. L'ère du camouflage. Et maintenant, on doit passer par là-bas. Ouais, j'ai pas eu, ok, d'accord. Allez, let's go. On est chaud, on est chaud. On est chaud, on descend et c'est bon. Et je suis bête parce que je viens de voir qu'il y a la minimap en bas à gauche. J'avais même pas regardé. Bon, allez, go. Il y a un truc pour se cacher ici encore. Des empreintes. Allez, on va examiner. Ça continue par là. Allons voir. Ça, je sais que oui, que quand tu... Tu regardes plusieurs empreintes, tu peux savoir où est un tel ou tel monstre. À force de regarder des empreintes, tu peux savoir où ils sont. Par ici, vite! Allez, on fiche le camp! Allez! Ok, j'arrive! Go, 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 go! Allez, on fonce! Allez! J'arrive! Deux secondes! Oh my god, un T-Rex! Ça ressemble vachement au T-Rex. Bon allez, on y passe. Par allez, ici vite. Dans le camp. Ok. Eh ben, c'est
c'est sympa. Bon, pour l'instant, on peut pas encore vaincre des monstres, tout simplement. Mais on fera ça, et vous avez, vous inquiétez pas. Et le écran de chargement, comme ça, c'est super beau. Ah, j'adore. Ça fait classe, clairement. Ça fait ancien et tout, ça fait super classe. Mais ouais, ouais, vous inquiétez pas, on fera des quêtes. De toute façon, c'est pour but, hein, le let's play. Alors, on va dire que c'est une sorte de, d'intro, de prologue, quoi. Ça nous explique en gros. Avant qu'on puisse avoir notre première arme à choisir pour pouvoir partir en quête de monstres. Waouh! Impressionnant, non? Regardez un peu ça. C'est comme si la nature avait voulu qu'on bâtisse Astera ici. Astera, ça sonne bien. Le reste de la cinquième flotte est déjà là. Vous êtes les dernières. Ok, occupe-toi de lui. Repose-toi, d'accord? Hein? Évite de bouger. Hé! Vous vous en êtes sorti? Je reviens. Rien de cassé? Vous en avez bavé, hein? J'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Oh, quel soulagement. On était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien, qui finit bien. Hé, hey, donnez-nous un coup de main. Désolé. Allez, viens. On doit y aller. Voici le marché. C'est comme ça qu'on l'appelle. Regarde tout ce monde. Tout ce matériel! Pas mal. Hein? On a tout ce qu'il faut ici. Des chasseurs pour l'exploration, des scientifiques pour la recherche, et des artisans qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Bienvenue à Astera. Bienvenue à Astera, j'étais sûr que vous arriverez jusqu'ici. Ok, donc là, il n'y a pas de parole, on doit faire nous-mêmes. Ok. Dès que j'ai la station... J'organise un conseil dans lequel... Ouais... Votre réputation vous précède. Nagui m'a dit plus grand bien de vous deux, je pense que vous formez une excellente équipe. Ouais. En fait, chasseur, ton camarade à fourrure te cherche. Le pauvre s'est échoué sur la grêle il y a peu. Oh, mon pauvre petit chat. À plus tard. Faire un tour. Ok, donc il veut qu'on fait un tour. Ok, bon, on va faire un tour. C'est parti pour la visite guidée. Ok. Commençons par chercher ton palico. Palico. Voici le bazar. Tu y trouveras la plupart des fournitures de première nécessité. Donc, si on a besoin de quelque chose, c'est là qu'il faut aller. Ok. Et comme vous avez vu, j'ai mis les voix en française. Pour vous et pour le let's play. Quand je serai en live, je les remettrai en japonais. Je préfère clairement maintenant, le japonais. Direction la forge. C'est par là. Mais pour vous, pour le let's play en français, c'est mieux. Par ici. Ça vous évitera de lire les sous-titres et plus que d'entendre qu'autre chose. Donc, on va monter. Allez. Vous êtes de la cinquième flotte, pas vrai? Ouais. Le commandant, mon grand-père, est arrivé avec la première. C'était il y a une éternité. Moi, j'appartiens à aucune flotte. Je suis né ici. J'ai jamais vu le vieux monde. Voici la forge. Tu peux y fabriquer tes armes et armures. Autant dire que tu y passeras un certain temps. Waouh! Regarde cet endroit! On peut y jeter un coup d'œil? Ouh, c'est une vraie fournaise là-dedans!
Ok. Arrêt, la cantine. Allons-y. Ah, je te parie que mon palico, il est à la cantine. Bien. Je sais pas pourquoi. Je sens que le petit chat, il est à la cantine. J'arrive. Ah, tiens, elle arrive direct. Hein. La bouffe, c'est bon. Par ici. Non, t'inquiète pas pour mon palico, mon avis, il doit être à la cantine, dans les alentours. Et voici la cantine. Hé, hey, là-bas. Hé, hey, coucou toi. Je savais que tu t'en tirerais. Bon, le conseil va se rassembler. Allons-y. Oui. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Après avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers, la cinquième flotte est finalement arrivée à Astera. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci, commandant. Nous allons faire de notre mieux pour vous être utiles. Nous formons l'équipe principale de la commission. Je vous invite à faire plus ample connaissance. Ce sera avec plaisir. Bien, entrons dans le vif du sujet. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens est le Zora Magdaros, une bête énorme à l'échine volcanique. La commission cherche à découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers le Nouveau Monde. Ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. Ils altèrent l'écosystème, dénaturent le paysage et ne laissent que le chaos dans leur sillage. Ils se rendent sur ce continent tous les 10 ans environ. Mais pour quelle raison? Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. On passe enfin aux choses sérieuses. Mais pour l'heure, chasseur, je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras et sur la défense d'Astera. Étudiez l'habitat et le mode de vie des Jagras. Ensuite, nous aviserons. C'est comme si c'était fait, commandant. Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Enfin un peu d'action! Vous autres de la cinquième, commencez par prendre vos marques. Nous serons là pour vous guider. Entendu? Restez avec moi et tout ira bien. La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau. À vous de remplir cette promesse. Ce sera tout. Disposez. Mm-hmm. Ça ne fait même pas une journée que la cinquième division est arrivée et on vous envoie déjà en mission. Bien, on va s'occuper de ce problème de Jagras, mais d'abord, il va falloir une arme. Par ici. Il y a un coffre à ta disposition dans ta chambre. Suis-moi, je vais te montrer. Oh, j'ai une chambre à moi, vas-y, amène-moi-y. Et je pense qu'on se laissera là. Hein. Ah, c'est là ma chambre. Bon, bah go. Va faire un. Bah, j'y suis, j'y vais. Ok, donc c'est là où on va devoir choisir notre arme. Et puis, de toute façon, on va se laisser là. Et je pense qu'on choisira notre arme dans le prochain épisode. Hein. Clairement. Voilà. Et ben notre chambre est quand même classe, hein. Franchement, c'est une chambre que à nous. Le palico, il est là. On a notre lit. Le coffre. On a tout ce qu'il faut. Tu trouveras un équipement de base dans ce coffre. Choisis ce qui te convient. Ok. Et ben nous les amis, on va se laisser là. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner ou à partager. Et puis je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao ciao Mina.